Bienvenue dans ce deuxième tuto. La dernière fois que nous sommes vus, vous avez brillamment créé un compte, acheté un pack de jeux et lancé Star Citizen. Vous avez même customisé votre personnage et décidé de visiter le système Stanton. Mais maintenant, nous allons aborder la partie fun. Vous le méritez! Après avoir bravé l'écran de chargement de manière majestueuse, vous vous réveillerez dans une unité d'habitation EZ. Petit quartier d'habitation parfait pour les pilotes sur le départ. Pour sortir du lit, appuyez sur Z ou H. Allez jusqu'à la porte en appuyant toujours sur Z et appuyez sur F pour interagir avec la porte. Puis faites un clic gauche pour ouvrir cette porte. Faisons une petite pause pour devenir plus intime avec le bouton F. C'est avec cette touche que vous interagirez avec absolument tout dans l'univers de Star Citizen. Intégrez bien cela pour ne pas l'oublier. Bien, passons à la suite. Nous nous trouvons maintenant dans les couloirs de Port-Olisar, une station spatiale en orbite autour de la planète Crusader. Passons en revue quelques mouvements de base pour pouvoir nous promener. Z vous fera aller vers l'avant, S vers l'arrière, D vers la droite, et enfin Q pour aller à gauche. Pour contrôler la vitesse à laquelle votre personnage se déplace, utilisez la molette de votre souris. Faites défiler vers le haut pour aller plus vite, et vers le bas pour ralentir. Appuyez sur F1 sortira votre MobiGlass, un appareil attaché à votre poignet servant d'assistant personnel qui vous permettra d'accéder à toutes sortes d'applications permettant de jouer à Star Citizen. Vous souhaitez peut-être vous familiariser avec, mais nous verrons cela plus tard. Allons plutôt explorer Port-Olisar. Tout du long de la station, vous trouverez différentes boutiques et services. Interagir avec les gens ou les objets en utilisant F vous offrira plusieurs options. Acheter un flingue? Acheter une chemise? Un reliquing total? Pourquoi pas? Mais surveillez bien vos crédits dans votre portefeuille. Quoi? Vous avez tout dépensé? Oh, pas grave! Rappelez-vous votre mommy class? Appuyez sur F1 pour faire apparaître votre compagnon et appuyez sur l'application de contrat. Vous verrez tous les contrats disponibles à travers le système que vous pouvez accepter pour gagner des crédits. Ces contrats vont de la mission de livraison à des activités plus criminelles. C'est toujours bien d'avoir des options. Nous n'allons pas nous intéresser plus que ça aux contrats et je suis sûr que vous êtes impatient de sauter dans votre vaisseau pour découvrir de quoi parle tout ce truc de l'espace. Et dans la prochaine vidéo, c'est ce que vous allez faire. C'est ici que s'achève ce tuto. Moi je vous dis à la prochaine !